Bonjour à toutes et à tous. Donc en direct, les finales du National Mixte de Dijon qui opposeront en rouge l'équipe de Kelly Fuchez et Arnaud Drocourt de la boule de Mirbeau, opposé à Mallory Perrin et Jonathan Chevalier de l'homogène 71. Et dans la finale du concours B, nous aurons Colino Lisa et Laurent Sébastien, Vénérello et Bourg-Péronas non homogène, opposé à Morel Magali de la Vendée, associé à Moreau Jean-Pierre de Corbeil-Essonne. Donc on va essayer de vous proposer au mieux les directs. Le but de la finale a été lancé par monsieur le maire. Donc on est parti. Alors une équipe en rouge là, Kelly Fuchez, Arnaud Drocourt, qui ce matin a eu très chaud quand même contre l'équipe en quart de finale, contre Nadège Rodriguez et Clément Duvernay, mené 9-2. Ils ont réussi à remonter la partie et gagner 13-11. Et en demi, ils ont fait une très très grosse partie contre Véronique Demuth et David Defosse pour s'imposer 13-2. Donc là, on attaque la première main. On est aux alentours de 7 mètres. Et on a Kelly au point. Voilà. Kelly qui entame très bien cette première main. Donc, en présence de monsieur l'arbitre national, monsieur Lechard Bernard. De Dunkerque. Ainsi que monsieur Joseph Ilana, délégué de la FFPJB. Monsieur Vaurillon, président du CD21. Et encore un grand merci à tous les bénévoles qui ont œuvré pendant cette semaine pour préparer ce beau national et qui vont encore œuvrer la semaine qui arrive pour tout déménager. Donc d'entrée, on a Mallory qui a fait une casquette sur la boule à Kelly. Et donc on a Jonathan qui se présente au point. Ouais, alors Jonathan qui depuis ce matin fait un jeu exceptionnel au point. Hein. Et Mallory aussi au tir, hein, et il n'y a rien à dire. Donc là, on a Arnaud Drocourt qui se présente au pas de tir. Alors, c'est manqué pour Nono, et en plus, il a tapé la sienne derrière. Donc, c'est juste pas droit. La boule est embouchonnée, hein. Donc, ils sont obligés d'y retourner. Donc, on voit que les tribunes sont un peu garnies, hein, par rapport à ce matin. On a pas mal de monde quand même. Donc là, c'est carreau pour Nono, mais le bouchon a suivi avec la boule, ce qui laisse un très beau point en faveur de Jonathan et Mallory et un avantage de 4 boules à 3. Donc je pense que du côté des rouges, on va pointer. C'est pas mal envoyé de la part de Kelly, c'est un petit peu court. Hein. Un peu 50 devant. Mais bon, elle bloque un petit peu le jeu. Donc on rappelle une très belle partie, hein, avec notamment Kelly Fuchez, vice-championne d'Europe féminin. Arnaud Drocourt, qu'on ne présente plus dans le département de la Côte d'Or, hein, parce que c'est quelqu'un qui est souvent dans les derniers carrés, aussi bien dans les championnats que dans les régionaux. Et en face, pareil, hein, Jonathan Chevalier qui monte en flèche. Qui a fait un très gros jeu depuis ce matin, et Mallory Perrin qui a une quinzaine de championnats de France et championne de France, championne de Saône-et-Loire, doublette mix cette année avec Manu Lucien. Voilà. Donc là, Kelly qui reste un petit peu courte à sa deuxième encore, la main ne s'engage pas très bien. Alors, j'essaierai de vous donner le résultat aussi du Grand Prix à côté. Qui oppose l'équipe, je vous rappelle, de Morel Magali et Moreau Jean-Pierre contre Lisa Colino et Sébastien Lorrain. On rappelle quand même que Sébastien Lorrain et Lisa Colino sont juste trois fois finalistes nationales de Vénérello, mais deux fois finalistes de Dijon. On les appelle les poulies d'or chez nous. Alors on espère pour eux, on leur souhaite qu'ils vont gagner cette finale, même si ça reste que le B, ça reste un beau concours et ils le mériteraient.
Donc là, on a Arnaud qui est resté un petit peu court aussi, hein, qui a touché un peu les boules à Kelly devant, mais qui est resté un petit peu court. Hein, ce qui laisse 4 boules en main à l'équipe de Jonathan et de Mallory pour rajouter. Ouais, alors c'est encore très bien joué de la part de Jonathan. Alors faut savoir que cette équipe ce matin a eu très chaud en quart de finale contre un très grand Alexandre Ferretti et Laura Bolo. Ils étaient menés 6 à 11, ils ont tourné, ils ont gagné. Et en demi, ils ont fait un jeu exceptionnel. Et donc leur place en finale est bien méritée. Donc là, je pense que c'est un peu court pour John. Ah, encore deux boules pour Mallory, oui. Deux boules pour Mallory. Alors, est-ce qu'elle tire à 3, est-ce qu'elle va tirer ou est-ce qu'elle va pointer dans la boule à Jonathan devant? Je sais pas. Vu comme elle tire, je pense qu'elle va tirer. Alors, je me suis pas trompé de beaucoup, sauf qu'elle a juste manqué, juste sauté au fil. Deux points par terre, tire à 3 encore pour Mallory. Je pense qu'elle va y retourner du coup. Ben non. Changement du coup. Pointé. C'est un peu court, donc 2 points. Je vais demander confirmation, mais je pense que c'est 2 points pour l'équipage Jonathan Chevalier et Mallory Perrin qui ouvre le score et qui mène 2 à 0. Donc c'est ça, confirmation de Kelly Fuchs. Donc là Jonathan a envoyé le bouchon. Je pense qu'il y a un bon 9m50 dans la montée. Donc comme dirait l'autre, faut bien pointer les premières. C'est encore très très bien pointé de la part de Jonathan. Hein, qui je vous dis depuis ce matin. Pour un tireur pur, mange le bouchon, comme on dit dans le jargon de la pétanque, et ce qui oblige Arnaud à aller tirer tout de suite. C'est manqué de la part d'Arnaud. Je pense qu'il va retirer. De la part d'Arnaud. Finale du Grand Prix B, c'est l'équipe de Lisa Colino et Sébastien Lorrain qui vont ouvrir le score et qui mène 2 à 0. Donc là encore une main qui se présente plutôt à l'avantage des joueurs de Saône-et-Loire, hein, avec un très bel 1 point d'entrée de Jonathan Chevalier, un manqué double de Nono, Kelly qui s'est approché à, on va dire à 25 cm du bouchon et 3 boules à 5. Est-ce qu'il décide de retirer? Il y a le bouchon dans le cou, est-ce qu'on pointe? Je pense qu'ils vont pointer. Comme ça, un peu leur jeu, je pense que Kelly va décider de pointer deux fois et d'attendre un peu de serrer le jeu. Non. Alors, Nono, elle a envie de tirer. Non, c'est si, on continue de pointer. On va serrer le jeu. Essayer de limiter la casse. Thank you.
C'est très bien joué encore de la part de Killy. Hein. Ça gagne pas, mais encore une très belle boule qui a 22 bouchons devant. Parce que là, maintenant, on prend le risque de tirer. Ouais, je suis pas convaincu. Ah, non, il faut y aller, gros. Eh bien, la sagesse a eu raison. On pointe encore. Donc là maintenant on condamne la main et on va essayer de limiter la casse hein, tout simplement. Il y a quand même 9m50. Je vous rappelle que les terrains sont très sélectifs et très durs. Ah, c'est encore très bien joué de la part de Killy. Hein. Donc Arnaud qui va essayer de colmater avec sa dernière et puis attendre, hein, comme dirait l'autre, on attend. Donc Arnaud qui est resté un petit peu à l'écart du jeu quand même. Alors on va voir ce que vont décider Jonathan et Mallory. Je pense que on va partir tirer à celle de devant. Manqué de la part de Mallory qui est tombé pile poil au milieu des deux boules, un poil à gauche ou à droite, c'était elle aurait tapé les deux, mais là malheureusement pour elle, elle a manqué, donc elle y retourne. Alors c'est frappé de la part de Mallory, mais bon, ça change pas grand chose, hein, sachant que l'équipe de Kelly Fuchès et Arnaud Drocourt ont quand même 4 boules à moins de 35 cm. Donc ça doit pas être facile à rajouter, je pense. On va voir ce que Jonathan va essayer de faire avec sa première. Alors c'est un peu court de la part de John. Alors, est-ce qu'elle tire à deux ou pas? Quoi qu'il arrive, elle va au tir. Donc je pense qu'elle va tirer la boule qui est la deuxième, qui est à côté de celle qui est au bouchon. Alors, rien à dire. C'est carreau en place. Hein. C'est deux parties minimum, voire trois. Un niveau de jeu assez impressionnant depuis ce matin quand même, hein, entre Jonathan Chevalier et Mallory Perrin. Ils ont été en difficulté en quart de finale, mais ils s'en sont sortis en tournant. C'est vraiment une belle équipe et ça joue vraiment très très bien depuis ce matin. Après, à noter aussi que Arnaud Drocourt et Kelly Fuchès jouent aussi très bien depuis ce matin. Ils sont quand même battus que des belles équipes aussi. De toute façon, il n'y avait que des belles équipes depuis ce matin. John. Donc 3 points supplémentaires pour l'équipe de Jonathan Chevalier et Mallory Perrin qui mène désormais 5-0. Et ouais, du côté de John, on s'embête pas, on envoie le bouchon pas loin des 9-10 mètres. Hein. Ouais. Ah, on va faire mesurer. Il doit être limite celui-là. Donc, monsieur l'arbitre national. Monsieur le char Bernard qui va sortir son décamètre. Alors, si j'ai bien entendu monsieur l'arbitre, le bouchon il est bon et il y a 10 mètres pile. Donc, autant vous dire que c'est vraiment pas évident, hein, vu la difficulté des terrains qu'on a chez nous à Fenay. Bonjour.
Ouais. C'est encore très bien pointé de la part de Jonathan. Hein. C'est. Voilà. C'est 15 devant le bouchon et ce qui oblige Nono à aller au tir. Alors, c'est malheureux pour Arnaud, hein, parce qu'il est tombé au pied de la boule. Sa boule a pioché un peu, ce qui fait qu'il a juste fait une petite chiquette et qu'il laisse le point à John à 25-30 derrière. Et sa boule de tir n'a pas dépassé le mètre. Donc, un tir un peu bizarre. Enfin, un début de partie un peu bizarre quand même. Ce qui est obligé tout de suite Kelly Fuchez à essayer de faire tirer son adversaire. Hein. Ouais, alors c'est vraiment très bien joué de la part de Kelly qui a gagné le point. Je vous rappelle que le point à Jonathan est à peu près à 30-35 cm derrière. Il y a 10 mètres pile. Et c'est gagné de la part de Kelly, ce qui va obliger Mallory Perrin à tirer. Alors c'est juste sauter au fil pour Mallory. Je pense qu'elle a dû en voir un bout. Hein. 10 mètres dans la descente. C'est juste manqué derrière. Et du coup, on décide de pointer pour John et Mallory. Bien vu de la part de John, mais je pense qu'il a un poil court, il s'est collé à la boule de Kelly. Je pense qu'il a perdu. Après il y a deux solutions, hein. Elle est belle aussi à tirer. Hein. Parce qu'au point c'est vraiment pas évident à gagner. Est-ce qu'il décide d'aller tirer? Son 3 boules à 4, je pense que c'est le jeu. Voilà. Ils ont dû m'entendre. Donc Mallory Perrin qui va tirer sa deuxième boule. Alors elle a fait casquette à sa boule de devant, mais elle a quand même réussi à écarter celle de Kelly, donc point par terre. Mais 4 boules à 2 en faveur de l'équipe en rouge de Mirbeau. Et donc Arnaud Drocourt se présente sur le pas de tir. Avec une belle mène en vue. Ah, c'est court pour Nono. C'est court, court. Dommage, il ne profite pas. Après, il peut se permettre de retirer encore, tirer encore au point. Sachant que le point est dur à gagner et que la boule à Kelly est belle à défendre. Et sachant aussi que Kelly est capable de taper double à n'importe quelle distance. Je pense qu'on va décider de pointer, ouais. Je vois Kelly qui bouge Shadon. Donc c'est Kelly Fuchez qui va essayer de faire tirer la dernière de Mallory. Connaissant un petit peu Kelly, je pense qu'elle a un petit peu crocheté sa boule. Elle a même pas coupé sur l'autre de derrière. Je pense qu'ils ont fait une petite erreur de jeu. Je pense que j'aurais été tiré, moi. C'était 3 boules à 2. Ok, il y a 10 mètres, mais le point à Kelly était beau et le point à Mallory était dur à gagner. Donc là, maintenant qu'on a commencé à pointer, je pense qu'il faut continuer. Hein. Regardez, c'est ça.
Teddy Fuchs qui va jouer sa dernière. Alors, c'était mieux joué avec son coup de main de gauche à droite, mais je pense que même elle a perdu sur suite derrière. Donc Arnaud Drocourt va jouer la dernière et laissera encore une boule dans chaque main aux adversaires. Donc ça risque d'être compliqué encore de marquer. Voilà. Donc elle joue à l'écart. Donc ce sera pas une mine pour eux et je crois qu'il a encore laissé le tir à deux à Mallory. Si elle vient tirer comme elle tire depuis ce matin, ça peut encore leur coûter très cher sur la main. Donc elle va tirer la boule noire qui est à côté à droite de celle qui a le point. Donc c'est manqué de la part de Mallory Perrin. Je pense que John va y aller aussi. Il n'y a pas de risque en tirant, ni en pointant d'ailleurs. Ouais, comme on dit, hein, c'est lui qui a la boule, mais je pense qu'il va, il va au tir. C'est manqué à la part de John Chevalier, un peu sauté la boule. 6-0 en faveur de l'équipe de Jonathan Chevalier et Mallory Perrin face à Arnaud Drocourt et Kelly Fuchs de la pétanque de Mirbeau, présidé par mon ami Jonathan Milanetto, dit John. Donc, je vais essayer de vous trouver les scores de l'autre finale. Donc début de la quatrième main avec un bouchon aux alentours des 8m59 et un point de Jonathan qui est un petit peu court devant, hein, un bon mètre devant et qui laisse toute la place à Kelly en plus avec sa patte gauche pour rentrer. C'est joué à la perfection. Hein. Ça a envoyé 50 devant le bouchon, bien monté. Après, c'est un petit peu écarté quand même. Hein. On a un point qui est à peu près à 30 cm du bouchon, mais sur ces terrains-là, ce n'est jamais évident à gagner. John qui a décidé de jouer par la droite et avec son petit coup de patte à l'intérieur, il a réussi à quasiment faire un devant de boule, faire une belle reprise, hein, c'est encore très bien joué. Donc on a Arnaud Drocourt sur le pas de tir. Alors c'est tapé pour Nono qui a décalé un petit peu la sienne, ce qui laisse le point de Kelly à peu près à 50 sur le côté. Mais bon, toujours l'avantage, 4 boules à 4 et le point par terre pour les rouges. Ont besoin de décoller au score. Et voilà John qui s'est écrasé, qui a perdu le point, qui est resté planté un bon mètre devant comme sa première. Ouais. Alors c'est très bien joué de la part de Mallory, hein, qui a gagné le point à 20 cm devant le bouchon, ce qui va obliger Arnaud à retourner au tir. Je vous rappelle,
6-0 score pour l'équipe chevalier, mais 4 buts à 2 pour les rouges. Alors c'est frappé de la part d'Arnaud, pas de carreau, mais c'est poussé. Je pense qu'il s'en satisfait. Ça a l'air d'aller. Ouais, alors c'est encore très bien joué de la part de Mallory, hein, qui a fait la copie conforme de sa première boule, hein, c'est-à-dire encore 20 cm devant le but. Et là, ce qui serait bien pour les rouges, c'est que Nono se triple pour laisser deux boules à Kelly pour tirer à la marque. Mais il est capable, hein, je vous rassure. Voilà. Donc c'est un très beau carreau de la part d'Arnaud. Ce qui laisse deux boules en main à Kelly Fuchs contre une à Mallory Perrin et deux points par terre. Donc belle main en perspective pour les rouges. Hein. Et là, vous avez vu à la tombée que Mallory n'est pas bien tombée du tout et qu'elle a laissé deux points par terre pour l'équipe de Mirbeau. Et un bon champ libre, on va dire, pour Kelly. Hein, la connaissant très bien et avec son jeu de la main gauche, il n'y a rien pour elle qui va gêner. Sans m'avancer, je pense que devrait minimum en faire 3 voire 4. Alors que ça fait quand même vachement plaisir, hein, de voir pas mal de monde aux alentours du carré d'honneur de Fenet avec une tribune bien remplie. Alors, c'est parti un peu à l'écart pour Kelly, mais je pense que ça rentre. Je suis pas sûr. Demander confirmation. Nono ? Donc oui, confirmation d'Arnaud Drocourt, donc 3 points par terre et encore une quatrième boule en main pour Kelly. Enfin, un quatrième point possible. Ah, c'est bien joué encore, c'est bien monté. Ouais, je vous l'avais dit, hein, rien qui gêne pour elle. 4 points pour les rouges qui recollent au score. Désormais, équipe de Mallory Perrin, licenciée à Bourbon-Lancy, je vous rappelle, championne de Saône-et-Loire, doublette mix 2021 avec Emmanuel Lucien, qu'on ne présente plus, hein. Et Jonathan Chevalier d'Asselon Morvan qui mène désormais 6 à 4 face à Kelly Fuchs et Arnaud Drocourt de la pétanque de Mirbeau. Donc là, est-ce qu'on va croiser un peu au jeu du but? Je sais pas. Ah, je pense que Nono voulait pas jouer trop loin. Connaissant un petit peu, je pense que le bouchon a un petit peu roulé. On est aux alentours des 9 mètres, 9 mètres 50. Mais bon, après, hein, il y en a pour tout le monde, donc on va voir Kelly pointer sa première. Alors c'est un petit peu échappé pour Kelly, hein. Avec sa main gauche, elle a voulu jouer de gauche à droite, la boule n'est pas redescendue, et donc sa première est aux environs d'un mètre sur le côté. Très beau point de la part de Jonathan Chevalier, tandis que dans la finale du Grand Prix B, l'équipe de Lisa Colino et Sébastien Laurin 2, l'équipe Morel Magali Mouraud Jean-Pierre 4. Un très beau tir d'Arnaud. Très beau tir d'Arnaud. Alors, petite réflexion de l'arbitre, est-ce que c'est est-ce qu'Arnaud serait peut-être sorti un peu du rond? C'est pas trop son habitude, donc je ne sais pas. Les pieds.
Ouais, c'est encore très bien joué de la part de Jonathan. Je lui découvre des talents de pointeur. Hein. Je savais que c'était un très bon tireur, mais depuis ce matin, il fait un jeu très très appliqué au point. Et le peu qu'il a tiré, il a bien tiré. Il est bien. Il est bien, il est bien. Tandis que là, on va se concerter pour les rouges. Est-ce qu'on continue de tirer pour Nono? Est-ce que Kelly en avance une? Les deux solutions sont bonnes. Après, c'est loin. Je pense que le jeu, c'était d'en avancer une. Je pense que c'est ce que Kelly a l'intention de faire. Donc, Kelly Fuchs, je vous rappelle, un vice-champion d'Europe. Il y a quelques années, qu'on ne présente plus, à 8e de finale du championnat de France avec Jonathan, Milan et tout, il y a 2 ans. Demi-finaliste du championnat de France ribette féminin avec Madame Ravu et Madame Milanetto aussi, donc Lucie. Et alors désolé pour le prénom de la femme d'Amien, je me rappelle plus, Elodie je crois, mais ça doit être ça. Donc voilà, Kelly qui est toujours au top dans les championnats départementaux, hein. Et donc là qui vient de perdre le point mais qui a fait un beau témoin, qui va permettre à Nono d'aller tirer quand même. Ouais. Ouais, c'est bien tiré de la part de Nono. Ça me fait plaisir parce que je vois plus en forme que son équipe de foot préférée qui s'appelle le Paris Saint-Germain. Je vois plus en forme, même s'ils ont encore gagné hier. C'est un match à l'arraché, puis c'est ce que j'en pense, mais ça me fait plaisir de le voir là et en pleine forme comme ça. C'est très bien. C'est un garçon qui mérite. Et c'est encore gagné de la part de Jonathan. Qui a joué strictement la même que la deuxième, donc ça se discute. Si après Kelly avait la bonne idée de rentrer à deux, ce serait bien. C'est pas facile, hein. Ou alors faut retirer. Concerte, hein. Dans les rouges on se concerte. Je pense qu'ils vont pointer. Ouais. Alors, le top pour eux, ce serait que Kelly arrive à rentrer à deux avec sa main gauche. C'est vraiment pas facile à faire, mais on sait qu'elle est capable de tout. Alors, c'est ce qu'elle a fait, mais je crois qu'il va y en manquer un petit peu. Elle avait joué à la perfection, mais juste un tout petit poil courte. Par contre, droitier, ça va être plus compliqué. Et tirer la dernière, ce n'est pas le jeu, je pense. Faut que Tono essaye de rentrer et puis de voir ce qui va se passer après. C'est court. C'est court de la part d'Arnaud qui va laisser une belle opportunité à Mallory Perrin d'essayer de rajouter au mieux. Elle a 3 boules en main, le poids par terre et très peu de risques avec une belle boule blanche à elle devant, ce qui pourrait peut-être creuser l'écart. Je vous rappelle le score 6-4 en faveur de l'équipe Chevalier Perrin. Première est jouée à la perfection, juste passer la boule à Jonathan, ce qui lui fait déjà 2 points par terre et encore 2 boules en main. Alors là, elle est rentrée dans la boule à Jonathan. Alors, je ne sais pas s'il y est. De toute façon, on ne prend pas le risque de tirer la dernière. Logiquement, il y en a 3 par terre. Ah.
Et alors, la dernière qui est arrivée au ralenti et qui a béqué un peu les boules de devant, ce qui lui a permis déjà sûr d'en faire 3. On va mesurer le quatrième. Je pense qu'il y en a 4, mais c'est pas sûr. C'est pas sûr. Mais la dernière, elle arrive au ralenti, elle a juste béqué un peu les boules de devant de Kelly. Les deux boules qu'elle avait jouées sur la gauche. Je pense que le quatrième est pas loin. Non. Alors il n'y est pas apparemment. Donc, je vais demander confirmation à Mallory ou à Arnaud. Hein. Arnaud? 3. Donc Kelly qui me fait signe 3 points pour l'équipe de Mallory Perrin et Jonathan Chevalier qui mène désormais 9 à 4 face à Kelly Fuchès et Arnaud Drucourt. Donc un envoi de bouchon encore aux alentours des 9 mètres. Hein. Je vous dis, ça joue pas court depuis ce matin. Hein. Ça joue pas court du tout. Hein. Donc John qui s'apprête à pointer sa première. C'est un petit poil court, hein. C'est 60, 70 devant. Mais non, ils font pas que des mêmes mains là-bas, Pat. Donc je pense qu'on va décider de pointer hein, du côté de Kelly et d'Arnaud. En plus, c'est assez ouvert pour la main gauche. Ouais, ça joue à la perfection. C'est gagné. 20 derrière le bouchon, c'est gagné. Et donc, Mallory qui n'a pas tiré depuis deux mains. Et ben repart au charbon, comme on dit. Ouais, c'est encore cadré de la part de Mallory. C'est bien tiré. Je vous dis, un très très peu de déchets. Alors, on a suivi l'équipe Mallory Perrin et Jonathan Chevalier depuis ce matin. Alors, c'est pas que c'est pas voulu, hein, je vous rassure. C'est juste le tirage au sort qui fait que. Et franchement, on n'est pas du tout déçu hein, parce que ça joue vraiment bien. Hein. Je pense que c'est l'équipe des plus complets qu'on a vu jouer depuis ce matin. Même si on a vu de très belles parties avec de très bons joueurs. Hein. Alors que dans la finale du Grand Prix de la ville de Dijon, l'équipe de Sébastien Laurin et Lisa Colino sont menés désormais 5 à 3 contre Morel Magali de Vendée et Moreau Jean-Pierre de la région parisienne. Et donc là, donc Kelly Fuchès qui vient quasiment d'embouchonner. Elle est à 10 derrière le but. On a Mallory Perrin dans le rond. Alors c'est manqué, elle a touché un peu le bouchon mais c'est manqué de la part de Mallory. Alors ce nouveau règlement qui oblige les joueurs ou joueuses hein, à marquer le bouchon à chaque fois qu'il bouge. Hein. Sinon c'est synonyme de carton. Je pense qu'on en a assez vu cette année pendant les Masters etc. Et donc là Mallory qui est tombé sous le bouchon et qui a sorti le bouchon. Donc main annulée. Donc score a changé 9 à 4 pour l'équipe Chevalier face à Drucourt. Alors dommage pour l'équipe Drucourt et Fuchès parce qu'une belle main se présentait devant eux avec 4 boules à 2 et le point par terre. Donc on voit monsieur l'arbitre qui fait signe à Jonathan de bien mettre le rond à l'endroit où que le bouchon était marqué. Donc c'est vrai qu'on assiste un peu à des règlements un petit peu bizarres hein, en tant que pétanqueur depuis des années. On a pu voir cette année pendant les Masters les exclusions de Fasino, de Bonetto, des cartons en pagaille, hein, c'est encore pire qu'au foot en ce moment. Voilà, avec des règlements un petit peu bizarres quand même. Hein, un jet de bouchon, faut tout marquer, enfin bon. Mais après voilà, c'est le sport, c'est la pétanque. On est déjà bien content de pouvoir tous rejouer. Et donc là,
Le bouchon de cette semaine est à peu près sur les alentours de 9 mètres et John est un petit peu vite. Hein. Il est à un petit mètre derrière, ce qui va permettre à Kelly de rentrer gentiment au point, je pense. En tout cas, on est bien content de ne pas avoir eu de flotte aujourd'hui. Hein. Le beau temps fait qu'il y a pas mal de monde quand même de présent aujourd'hui à Fenay. Voilà, et c'est encore très bien pointé de la part de Kelly. Hein. Qui a gagné ce point, une vingtaine de centimètres sur la gauche. C'est ce qui va permettre à Mallory Perrin d'aller tirer. Boulogne, Yadesh, s'il vous plaît. C'est encore de nouveau un carreau de la part de Mallory Perrin qui améliore le point de Jonathan. Donc il va obliger Kelly à vraiment, vraiment bien pointer sa boule. On a Alexandre Ferretti qui a aboyé, à mon avis, il a soif. Ah, faut bien rigoler, hein. Donc très de plaisanterie du coup, Kelly qui vient de traverser le jeu et de perdre le point, couper le deuxième. Qui va jouer sa dernière boule. Bon, je vous rappelle le score, 9 à 4 toujours, 4 boules à 4, point par terre pour l'équipe de Mallory Perrin. Ouais, c'est un très bel envoi de Kelly Fuchs qui a fait devant de boule et qui vient de condamner un peu la main, je pense, même si les adversaires peuvent encore tirer, hein, je pense que c'est ce qu'ils vont faire. C'est vraiment très bien joué de la part de Kelly. Alors, est-ce que Mallory va nous sortir un coup de génie? Alors c'est juste pas droit. C'est juste pas droit de la part de Mallory. Donc Kelly avec son devant boule a bien rétabli la main, hein, parce que son point il est à peu près à 25 du bouchon. 3 boules à 3. Et je vous rappelle qu'on joue aux alentours des 9 mètres. Donc on voit John qui va pointer sa boule. Et John qui continue, hein. C'est encore un bouchon. Que lui aussi à son tour vient de condamner un peu la main. De toute façon, il n'y a pas à réfléchir, faut aller au rond, faut tirer. Voilà, c'est Arnaud Drocourt qui se présente. Alors c'est bien ramassé de la part d'Arnaud, mais je pense que le bouchon a démarré derrière. Alors je sais pas si c'est la boule à Kelly. Ah si, apparemment c'est la boule à Kelly. Et c'est peut-être même fait 2 points. Mallory au tir. C'est super bien tiré encore, c'est un recul. Hein. D'ailleurs les spectateurs ont bien compris, hein. C'est vraiment bien tiré, donc elle tirait bien au point. Donc Arnaud. À son tour, tire au point, 2 boules à 1, avantage de boules. C'est manqué de la part de Nono. Une toute petite différence au tir, hein, je pense. Hein. Je pense que la petite Mallory tire un petit peu mieux qu'Arnaud.
Et ça fait énormément de différence hein, sur la partie. Hein. Allez, Nono. Donc Arnaud, je pense qu'il va tirer sa dernière quand même. Hein. Ce qui obligerait John à tirer pour la marque. Ouais. Donc c'est tapé de la part d'Arnaud. Allez, c'est la boule de marque à John. Hein. Ça peut faire le trou. Hein. Ça peut faire 10 ou 11-4 comme 9 à 5. Tout va dépendre de celle-là. John nous tire. C'est manqué. C'est manqué pour John. Hein. Ce qui laisse l'opportunité à l'équipe de Kelly Fuchs et d'Arnaud Drocourt d'augmenter le score et de revenir à 9 à 5. On les sent sereins malgré tous les rouges, hein. Même s'ils sont un peu en difficulté, on les sent sereins. Hein. Bon, les connaissant un petit peu, je les sens pas agacés, de toute façon ils s'agacent jamais. Hein. Mais je les sens bien. Alors Arnaud qui a raccourci un peu la distance, hein. Je pense qu'on est à l'entour des 7 mètres, 7 mètres 50. Donc je vous rappelle le score, 9 à 5 en faveur de l'équipe Perrin, Mallory et Chevalier Jonathan. Kelly au point. Ouais. La classe, il n'y a rien à dire. C'est monté. 32 dans le bouchon, ça bouge pas. Est-ce qu'il va obliger Mallory Perrin à aller tirer dès sa première? C'est tapé de la part de Mallory, mais ça fera pas jouer les adversaires. Hein. Le point à Kelly est resté à un bon 1m20 sur le côté et la boule à Mallory à près de 1m50 derrière. Donc c'est Jonathan Chevalier qui va pointer sa première boule de la main. Et c'est bien pointé, ça gagne. Donc comme vous pouvez le voir, le bouchon a bougé d'à peine 2 cm, mais il faut absolument le marquer. Sinon c'est carton jaune pour le joueur suivant qui va jouer. Et c'est manqué de la part d'Arnaud. Il est droit mais un peu court. 20 devant mais c'est manqué. Comme je vous dis depuis ce matin, les terrains de fenêtre ne pardonnent pas. Hein. C'est un terrain très sélectif, très compliqué. Et Nono était un petit peu court. Hein. On va décider de pointer, je pense. Ouais. Alors c'était bien envoyé de la part de Kelly, mais qui a fusé un petit peu quand même. Je pense qu'elle est un tout petit peu trop près du bouchon. Elle est tombée à peine 20 cm devant le bouchon. Ce qui fait que sa boule a traversé le jeu, elle est un mètre derrière. Donc là ça va être un peu plus compliqué pour eux quand même là. Parce qu'ils sont 5 à 9 et 3 boules à 4. Est-ce qu'on décide d'aller casser la gagne pour Nono? Est-ce qu'on fait pointer la boule à Kelly? Ils se concertent. Alors on va tirer. Est-ce qu'on va tirer la boule au bouchon? Je pense qu'on va tirer la boule encore, hein, c'est le vrai jeu. Hein. Les adversaires jouent pour 4. Donc ouais, on est parti tirer la boule pour Arnaud. Alors, c'est cadré pour Nono.
Mais pour être très franc avec vous, même lui le reconnaît, je pense. Elle est moins bien tirée que sa première, elle est encore plus courte que sa première, mais elle s'est bien donnée. Bon, c'est gagné de la part de Jonathan. Donc là, on va dire que si Nono tape la boule, il est sûr de ne pas perdre sur la main. Donc c'est déjà une boule capitale. Alors c'est frappé. C'est frappé de la part d'Arnaud. Mais bon, la main ne s'engage pas très bien quand même. Hein. Une boule pour Kelly et trois boules pour les adversaires. Et un point difficile à perdre. Ouais. C'est fait. C'est vraiment... pour un tireur, c'est vraiment impressionnant de pointer comme ça. Hein. Depuis ce matin, on se régale. Vraiment bien pointé. Alors, est-ce que Kelly va décider de tirer la boule un peu avec le bouchon? Ou est-ce qu'on essaie de colmater et de se coller au cul de la boule pour essayer d'en prendre qu'un ou deux? Alors, ça, ils regardent, c'est à eux. Ça, c'est à eux. Moi, je pense que Kelly va peut-être tirer quand même. Alors, je vais essayer de vous donner le score de la partie après la main de la finale du Grand Prix qui oppose, je vous rappelle, Colino Lisa et Laura Sébastien à Morel Magali et Mourou Jean-Pierre. On s'est arrêté à 5-3. Je vais essayer d'aller récupérer le score. Ce qui joue 4 centimes à côté. On va juste attendre la fin de la main ici. Et mon ami Patrick va aller me récupérer le score gentiment. Donc on décide de pointer pour les rouges, essayer de colmater puis de se mettre devant la boule, vous limitez la casse, ça se fait, c'est très bien joué de la part de Kelly hein, qui s'est mis quasiment au cul de la boule, elle laisse un petit peu d'espace à Mallory qui a de la place pour en rajouter un quand même mais ça va vraiment pas être facile. Hein. Alors que dans la finale du Grand Prix de la ville de Dijon, les poulies d'or dijonnais, comme on les appelle chez nous, Lisa Colino de Vénarélo, mais Sébastien Lorrain de la boule de Bourg-Péronnaz dans l'Ain, mènent 7 à 6 face à Morel, Magali et Mourou Jean-Pierre. Et tandis que là, on a vu que Mallory Perrin n'a pas pu rentrer sa première boule au point et elle est condamnée à pointer sa deuxième parce qu'en tirant à 2, elle tire à deux, mais la boule est collée, donc c'est pas le jeu. Vaut mieux assurer un point que d'en prendre un. Encore un tout petit peu de place pour rentrer. Donc, c'est un poil court, donc bien joué de la part de Kelly. Donc, Jonathan Chevalier, Mallory Perrin, 10. Arnaud Drocourt, Kelly Fuchès, de la boule mirebelloise, 5. Bon, rien n'est fait encore dans cette finale. Et je vous rappelle que dans la finale du B, Colino Lorrain mène 7 à 6 face à Morel et Mourou. Donc on voit que les gradins quand même sont quasiment tous remplis. Hein. Donc ça fait plaisir. Encore un grand merci au club de Fenay, à la commune, au comité, aux bénévoles qui ont œuvré toute la semaine, tout le week-end et qui vont encore œuvrer dès demain matin. Et en espérant vous retrouver l'année prochaine pour faire le 20e national mixte de pétanque. Donc là, on a décidé d'envoyer loin pour John. Hein. Il y a un bon 9m50. John va pointer sa première. C'est encore pas mal pointé, hein. C'est quoi, c'est 20-30 derrière, à 10 mètres dans la descente. Vu la difficulté du terrain, on va dire qu'elle est déjà là. Bon, décision sage de la part des rouges, on pointe, hein. Un petit peu de place pour le gagner.
Bon, la boule de Kélik a pas très bien répondu. Je vois que les adversaires bougent pas. Je pense qu'elle a perdu. Est-ce qu'on va tirer? Oui, je pense qu'on va tirer. Ah non, non, c'est le départ, mon pote. 5 à 10, il y a 10 mètres, c'est à toi de bien tirer, mon gros. C'est manqué. C'est manqué de la part d'Arnaud. Donc là, plus beaucoup de solutions à part essayer de pointer, de gagner le point, puis d'attendre l'erreur de l'adversaire. Et bon, ils en font pas beaucoup depuis ce matin, hein, donc c'est compliqué. Ouais, donc c'est super bien joué de la part de Kelly qui vient d'embouchonner. Je vous rappelle le score 10 à 5 en faveur de Mallory Perrin et John Chevalier. 5 boules à 3. Et Mallory Perrin qui est dans le rond pour tirer au point. Alors, c'est frappé de la part de Mallory, mais je pense pas qu'elle en ait fait assez. Elle a décalé la boule de Kelly du bouchon, ce qui peut leur permettre ou de pointer pour gagner le point ou leur de retirer. Je pense qu'ils vont retirer. Hein. Ah ouais. Elle défend un beau point. Tandis que là-bas, il y a une accélération au score. Il me semble, hein, je vais aller vérifier, mais de la part de Lisa Colino et Sébastien Lorrain. Je vous dis ça dans 30 secondes. Voilà. Donc c'est encore tapé de la part de Mallory. Donc 3 boules pour les rouges, 3 boules pour les adversaires, le point par terre en faveur de Mallory et John. Donc on décide de pointer hein, du côté des rouges. Avec Elien, faut jouer la même que t'as joué celle d'avant. Alors c'est bien monté, c'est encore gagné par Kelly. Hein. Des points très difficiles, hein. Des points à 25 derrière, c'est encore gagné. Tandis que dans la finale du Grand Prix de la ville de Dijon, les poulies d'or, comme on les appelle chez nous, Lisa Colino et Sébastien Lorrain mènent 11 à 7 face à Morel Magali et Mouro Jean-Pierre. Voilà. Et là, c'est la classe, c'est un carreau en place de Mallory Perrin. Alors là, ça met un coup au moral hein, parce que c'est 2 boules à 2, 2 points par terre pour les adversaires, 10 au score. Et c'est un carreau net en place à 10 patins. Donc là, Nono, il n'y a pas grand chose à faire à part rentrer deux fois au point ou tirer deux fois pour casser la gagne. Super carreau, rien à dire. Deux boules à deux. Ouais, je pense qu'on va pointer. Je pense qu'on va pointer. On va essayer de couper déjà le deuxième. Oh, bah Arnaud qui a fait la reprise fantastique, il l'a gagné à la sautée. Je voyais un petit peu court et sa boule a bien développé. Ce qui va obliger Jonathan à bien tirer. Lui il est capable. Hein. Ah.
Jonathan qui a juste sauté la boule. De toute façon, il est obligé de lever la main, hein. Tire à la sautée. Chercher un petit peu le carreau. Bah là, s'il faisait carreau, c'était quasiment terminé. Hein. Mais bon, les rouges sont encore en vie. Boule à boule, je pense qu'il va retirer. Voilà, et c'est carreau pour John. Alors c'est pas dur, hein. C'est 3 points par terre, 13 par terre pour l'équipe de Mallory Perrin et John Chevalier et Arnaud Drocourt qui a plus qu'une seule boule en main. Donc il faut rentrer. C'est quasiment un manqué perdu. Faut qu'il se souvienne de sa première, Nono, et qu'il joue bien. Sinon, bah ils seront comme nous, ils iront boire un coup. Hein. Ah Nono, encore une main ou deux. Après, je vous rassure, les points sont vraiment pas faciles à gagner. Hein. La plus prêtée à 20 et les deux autres sont à 25. Hein. Donc, c'est pas évident. C'est bien joué, c'est écarté, c'est terminé. Donc, victoire de Mallory Perrin et Jonathan Chevalier face à Kelly Fuchès et Arnaud Drocourt sous leur score de 13 à 5. Alors vous retrouverez toutes nos vidéos sur la page Facebook Pétanque Movie. Alors on est désolé si on n'a pas pu faire de direct, mais avec le réseau ça a été un peu compliqué. On vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée, puis à très bientôt à vous. Et bientôt rendez-vous, on vous tiendra informé des prochaines manifestations que Patrick Chambreau et la Pétanque Movie organiseront, et on sera là aux commentaires, et voilà. On vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de soirée, et merci à vous.